Anthony Chalancon is a French parasport athlete who started a few years ago a career in biathlon, and this despite being blind. Quand je dis aux gens que je fais du biathlon, les gens ils disent ouais, mais tu fais comment pour tirer? Donc généralement ils demandent comment ça se passe. Après les gens ils sont quand même assez impressionnés de la technologie qui a été mise en place pour faire ça quoi. On the shooting range, he has to rely entirely on his hearing. Au tout début, on va avoir un son qui est saccadé. Et en fait, au fur et à mesure qu'on lève la carapace, plus on va se rapprocher, plus ça va former. Après, un son continu. Et après, on va devoir chercher le plus aigu possible pour se rapprocher du centre de la cible. Et c'est là qu'on va pouvoir lâcher notre balle. Donc après, avec la pratique, on connaît le son, on l'a dans les oreilles, quoi. Meeting Anthony in Beitostolen, France's Antonin Guigonat and Aristide Beg looked forward to testing this different kind of shooter. Pour nous, quand on ferme les yeux, c'est fini, on arrête le biathlon. Et eux, ils font tout avec l'écoute et sans les yeux. Et je suis vraiment épaté et j'ai hâte de découvrir comment ça fonctionne. Alors moi, je m'entraîne à la FECLA et l'équipe paralympique vient assez régulièrement faire des stages là-bas. Donc ouais, j'ai eu l'occasion de tirer. Je pense qu'Aristide va avoir du mal à rivaliser. Je vais m'y essayer en premier, comme ça j'aurai l'air moins ridicule. Et ensuite Antonin va m'expliquer comment on fait le 5 sur 5. Ouais, je ferme les yeux comme ça. Je savais que c'était difficile, je savais que c'était vraiment quelque chose de différent de ce que nous on peut faire. Mais là, de voir que j'en mets une ou deux alors que j'ai pris mon temps, j'étais au repos, il m'a expliqué, il m'a donné deux, trois conseils. Je suis vraiment, je leur dis, espanté, je suis vraiment épaté et je trouve que le sport qu'il fait, c'est vraiment très difficile. Alors moi, par rapport à la dernière fois, j'ai trouvé ça plus facile une fois qu'on l'a fait, mais... Voilà, on est au tir au repos et la prochaine fois, on fera ça avec du ski de fond, les yeux bandés et puis à l'effort, avec les soufflements et on verra ce que ça donne. C'est très rare quand même que les gens, quand ils essayent, surtout la première fois, qu'ils arrivent à mettre des balles. Ah, c'est sûr. Ça va quand même que c'est des biathlètes et qu'ont quand même des bonnes notions de tir. Après, c'est bien parce que du coup, on partage un peu... notre pratique et tout, et on voit qu'en discutant ensemble, il y a quand même beaucoup de similitudes dans le sport, donc c'est cool de partager en tout cas.